Une semaine de vent. Ah, mais aussi. Un vent. Bon. Bah, comme en Bourgogne, c'est chargé, la pluie en plus. Ah bon, il en faut, tu me verras là, c'est un monde. Et là, ce matin, le soleil. Voilà, là nous quittons le petit village de Rosier, le Rosier, qui est à la jonction entre le Tarn et la Jonte, en Lozère, mais c'est à la frontière aussi avec l'Aveyron, parce que nous sommes de temps en temps en Lozère et de temps en temps dans l'Aveyron. Hein ? Ouais. Voilà. Et là nous montons donc direction le Causse de Sauveterre. Cosse où j'ai jamais mis les pieds. Moi non plus. Qui a une carte? On a une carte d'ici ou on est comme ça à l'aventure? J'ai ma carte bleue. Alors, premier plan. Petit village de Rosier. Dans l'Auxerre, et de l'autre côté là il y a Pérolo qui est en Aveyron, dans l'Aveyron, ouais. La frontière, quoi. On est super content parce que déjà il n'y a pas un vent de cocu, il fait beau, déjà important. Belle petite ascension. Ouais. Les choix. Ouais. Tout à l'heure ça monte. Comme ça. Ah, pour la mise en jambe, elle est parfaite, hein, celle-ci. Ouais. Côté sud-ouest du Causse de Sauveterre. Et en face de moi, là, il y a le Causse Méjean. Et entre le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre, il y a le Tarn qui coule. Et corniche du Causse Méjean de l'autre côté qui nous accompagne sur ce petit chemin. Alors nous sommes là sur quoi nous sommes là, j'ai sur Causse de Sauveterre. Et donc il faut savoir que ce nom nous vient du Moyen-Âge, car à l'époque l'église catholique faisait des zones comme ça, des zones de sauveté, ça s'appelait. Ah d'accord. Et dans cette zone là la loi des hommes ne marchait pas, donc un fugitif pouvait trouver refuge dans ces zones de sauveté, sauveterre. Voilà l'origine. L'origine de ce nom de ce Causse de Sauveterre. Donc, si vous étiez un fugitif, vous pouvez venir ici. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? J'ai essayé de trouver un endroit où on voyait mieux, tu vois, je me suis dit, mais c'est toujours plein d'arbres. Ouais, mais, ouais. Trouver ça pas. On va passer là. On dirait un petit vase en suspension. Ouais.
chemin. C'est quoi ce truc là? Tiens, vas-y, et monte dedans, on essaye. Je l'envoie. Tu m'envoies là-bas là? Non, je t'envoie là-bas, il faut la caisse. Ça marche. Pourquoi faire ça? Pour faire voir qu'on est un homme. Ah, pour juger, juger ça irait bien. Je vais pas te mettre dedans, regarde. C'est hey. La tyrolienne. Tu mets dedans là, je lâche le frein. Ah, c'est ça. Cette petite maison troglodyte comme ils disent là. Ça va, on va passer ce truc là. On doit être un peu ici. Plan, c'est de visiter ces corniches. Puis, à un moment, on va s'enfoncer un peu plus en haut, sur le plateau de Cosse de Sauveterre. Dépêche-toi. Allez. T'as vu quoi? Hein? La roche est passée là-bas en face. C'est là, zoom là. C'est un arbre. Tu vois? Ah oui, non, je vois pas, j'ai pas les bonnes lunettes.
C'est un arbre qui a été poussé là-haut entre les deux roches. C'est un arbre, j'ai dit n'importe quoi. Mais c'est là de loin. Un peu de loin, c'est vrai que... Ça va être un nid de vautours et qui a la merde. On voit les excréments. Et d'un seul coup, on se retourne voir derrière ça. Non, GG, c'est beau. Oh bah c'est beau de toutes parts. On sait plus où poser les yeux tellement c'est beau. Vraiment, dans une zone sauvage. C'est un paysage fou de deux. C'est rare ça. Ah, c'est mort ça. Là. Elle a construit. La source est cool, je vais remplir l'eau. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça, en plus il y a une source. C'est très bien. Putain, le vautour il est en dessous de moi là, c'est cool. Voilà. Elle est trop bonne. Hein? C'est eau à pastis. Eau à pastis. Ouais, c'est cool. Bon, là, c'est un moment très important parce que Salvatore, il me chauffe de l'eau. Pour mon café. Je suis généreux, moi. Non. C'est une espèce de truc, je pense toujours aux autres. Les cookies que la sœur de GG a cuisiné. Super bon. On est content que tu sois venu. C'est vraiment bon.
faire une partie qui monte. Depuis tout à l'heure, là, on rejoint petit à petit le plateau du Cos, le Cos Sauveteur. Ça monte plus comme tout à l'heure. Là on va avancer dans les terres du Cos de Sauveterre. Oh, qu'est-ce qui se passe là? On vérifie la position. Hein? Il faut aller droit vers le soleil couchant. Petit point tout pour. À 200 mètres, une fontaine. Parce que ça donne. Mais c'est un bon abri, quoi. Toi, s'il pleut et tout, t'es bien content, là, tu vois. Elle a été taillée de l'autre côté là-haut là. À part l'eau quoi. Pourrait tomber les sacs et explorer les coins. Derrière le couloir que ça fait là. Bah ben ouais. Cette roche là, t'as vu ça. La trace là, et ça coule encore, regarde, il y a un fil d'eau. Ce petit filet d'eau, l'eau est récupérée. On pourrait se faire un bain de pied. Voilà. On attend de pouvoir se faire un bain de pied ce soir. T'as pas envie de. Ah si, complètement. C'est un lieu magnifique. En plus, c'est des endroits bien plats, tu vois, pour la tente. Là, c'est ça. L'eau courante à côté. Il y a une petite source à côté. Bon, j'ai réussi à grimper là. Ça fait comme un étage qui surplombe cette zone. Oh ouais! Avec une petite source qui coule là-bas. Ça va être un lieu de bivouac là-bas. Commencer une petite gorgée de Jack. Oh, monstrueux. Bonne gorgée de. Oh, merde. De coca. Merde. Attends, je comprends pas là. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Heureusement qu'on n'est pas en guerre et qu'il n'y a pas l'ennemi à côté, quoi. Hein. Ah, elle est super légère, c'est une mini hachette. Tu peux les tomber en 400. Ouais, voilà. Alors, on va partir à escalader ça pour monter là-haut. Et figurez-vous que là-haut, il y a encore du soleil. Et nous, on est cachés par.
ici, sur ce rocher. Ouais, écoutez. Et ouais, là il y avait encore le soleil, tu vois. Ouais. C'est une belle prise de vue là. Paysage de folie. À la ligne, jusqu'au chemin ici. Il s'en fout. Moi, c'est pas vrai. Non, j'ai déjà entendu, mais je sais que tu vends. Et il en rajoute toujours, tu vois. Là, c'est le côté campement. Les parois qu'il y a là, à côté là. Nickel, est arrière montée. Aïe aïe, Nickel, cascadeuse. Je fous les jetons. Hein. Et le campement, il est là-bas. Et on va trouver une belle zone au bivouaquer dans le sauvage. Bien situé. Hein. On a fait cadeau de ça, tu vois. Petit cadeau comme ça, regarde le c'est gentil, que c'est mignon, tu vois. Fait à la main, pétale avec pétale, après pétale. Hein. Fait avec amour, tu fait vois. Fait avec amour, hein, ouais. Voilà. Et les piquets à Jérôme. Il a fait un beau piquet de tente à GG. Ouais, mais quand même. Ouais, t'as une préférence quand même. J'aime bien cette fleur, tu vois. Voilà, donc, j'ai carré la bouteille là. Oula! Oh. Cassé, hein? Non, il a cassé! Il a cassé, il a cassé le bouchon. Il a cassé, Pourquoi t'as fait ça? Attaqués par Clavière. Nous rabattrons sur le cause de sauveterre. Réquisitionnez les hommes valides avec fourche, faux et pique. Hey! Carrément, ouais. Il y avait de temps en temps quelqu'un qui pétait, mais bon. Ça? Hein. Non. Ah ouais, c'est italien. Mais tout le monde, on se dirige vers le nord là. À un moment, on devrait aller vers l'ouest. Eh ben, on fait une pause et puis on verra bien où on est là, avec Géoportail. Géoportail, tu vois. Et monter dans les bois de Mortevieille, Cocalière, il y a une petite dépression et on arrive peut-être. Le bois de Mortevieille. Voilà. On va suivre le petit trait, on va remonter là, on va direction nord-nord-ouest. Mortevieille, sur notre droite. D'abord nord, et puis on vire nord-ouest. Voilà, donc juste tu tombes sur une vieille qui est morte. C'est elle. C'est normal. Ça veut dire qu'on n'est pas perdu. On est au bon endroit. Ouais. Ah, c'est lugubre aussi. Toujours à la recherche de la baume et trois paroisses. Donc on voulait aller pour bivouaquer, puis finalement on s'est dit qu'on était bien. Là-bas.
C'est là qu'on aurait dû bivouaquer. Ah, je disais à Jérôme, on était bien où on était, je pense qu'on était mieux qu'ici. Voilà, voilà l'ombre de cet abri sous roche. Tu vois. Avec ce panorama. C'est important parce que ça te tape quand même le soleil. Hein. Top. Une belle vue dégagée. Hein, ça passe bien le coca. Ça, c'est pas pour faire de la pub à coca, mais ouais. Là, il est apprécié. Bien frais comme ça, c'est tout bon. Coca bien frais. C'est bon ? Eh ouais, donc ouais. Voilà, nous quittons ce lieu. On peut manger, c'est peinard. Il y en a un peu plus de temps, ouais. Et moi, c'est pas possible. Tenez vous deux. Regardez cette colline. Allez voir là-haut si j'y suis. Passe. J'ai chaud. Ah, c'est mou ça. J'ai envie de se coucher dessus là. C'est vrai que ça monte là. Ah ouais. Quand on a dit, on descend au village. Sympa cette montée quoi. Hein, hein. Pourquoi ça monte comme ça? On était bien. Ouais. Ah, on était bien. On pensait en avoir fini avec les côtes, non? Ouais. Oh, bientôt ça va redescendre, monsieur. Bon, je pense qu'arriver à cette limite là, je pense que peut-être, tu vois, il y a une espérance que ça devienne soit plat ou soit que ça descende. Là, la limite, là-bas. Ouais. Voilà. Ouais, c'est loin. Bon, ça monte quand même un peu, mais. Je sais combien. Mais... au bord d'un ruisseau. L'avantage, c'est qu'elle n'a pas besoin de filtre. Elle a tout intégré. Ils marchèrent longtemps. Très longtemps. Donc là, on va prendre un petit raccourci. Ça va trop là, par là. Voilà, on prend des raccourcis, des machins. Il faut les raccourcis pour les rappeler. Il permet de voir des paysages autres que là, la piste. C'est cool de se retrouver dans un pré comme ça, tu vois. Bah ouais, c'est bien. Hein. On descend par un chemin, pas envie de remonter sur eux.
Peyrelo. Si je ne m'abuse. Donc là, on a changé de cosse. Là, on est sur le cosse d'en face, cosse Méjean. On se dirige vers un site assez connu du cosse Méjean, la grotte de la Pomelle. Faire visiter au Bourguignon qui est derrière moi. Hein? Hein? Visiter au Bourguignon un site. J'avais été il y a quelques années. Une grotte qui aurait été habitée à l'époque néolithique. Donc là, on est arrivé à un village proto-historique, là, ce qui marque vestige d'un village gallo-romain. Donc on voit qu'ils avaient fait, ils avaient creusé à la même hauteur. Ah ouais, pour mettre des poutres. Pour mettre des poutres, tu vois. Il y avait une fontaine quelque part qui coulait, tu vois. Parce que, obligé, parce que sinon, comment tu fais sans eau ici? Ben oui, parce que nous sommes sur le cosse Méjean. Ça se trouve, l'eau, il faut aller en bas. C'était une source qui maintenant, elle a séché depuis une durette, mais qui à l'époque, elle coulait. À travers les beaux arcs de Saint-Pierre. Ah, ah voilà. Ah, voilà, donc les arcs. Je me pose là. Ah, il y en a un autre là-bas en plus.
C'est beau avec l'arc au fond, hein. C'est qu'il y a plusieurs arcs, quoi. Je savais même pas. Au courant. Non, non, il y a personne. Terre de loup. Et donc, c'est cette photo qui m'avait fait venir sur le Cosméjan la première fois, là, avec Dobson. La photo de ce loup pris sur le Cosméjan en 2006. C'est un sacré boule. J'ai dit, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Là, il y en a. Ouais, maintenant, a priori, il se sera implanté sur le Cosméjan. Et sur le Cos de Sauveterre aussi, ils ont eu des attaques de brebis. Merci, hein. GG, depuis 2 heures, il est parti faire pipi, il n'est pas revenu. Ouais, c'est inquiétant. Ben ouais. Quand rien n'est pire de mourir de la peur de mourir de la mort. Ben bon. On ne peut pas nous faire un... Ouais, on va, pas, des rouges, hein. On va pas gâcher nos vacances pour un bah si peu, quoi. Santé. Viva la muerte. Oui, viva la muerte, hein. Bah, c'est bien celui-là, hein. Ouais. Ouais, lui, il nous survole, il nous a survolé depuis hier. Hein. Ce gros oiseau, là. Ce gros pouic-pouic. Il y en a eu un, bien, bien proche, il a un survol. Ouais. C'est impressionnant quand même, c'est quand même gros quoi. C'est pas un canari le truc, hein. Non, la bête elle est haute comme ça. Ma chanteuse préférée, quoi, c'est... Qui ça? Bertha. La grande Bertha. Et sans raison, il lui décoche 126 coups de couteau. Salut. Bonjour tout le monde. Extra. Trop bon. Oui. Ah Mitch, à la tienne. Donc là on en est à la bière, hein, à la tienne, santé, hein, GG. Oh, la tienne, hein, ça va toi là, hein. Bon, ce matin, après, on va où? On continue à se faire une petite balade sur la corniche sud du Cosméjan. La parcelle la plus belle, à mon avis, pour la montrer à Jérôme qui ne la connaît pas. On va juger. Ouais, j'ai hâte de découvrir tout ça. Bonjour.
Après ma leçon que j'ai donnée à Gégé sur le mot magnifique et qu'il faut pas abuser ce mot sinon il perd de sa valeur, il n'ose plus le dire, hein, ce mot. Plus personne parle. Dis-le. C'est vraiment beau. Alors, parce que ça se trouve, après, on trouve un truc encore plus beau et... Et en plus, avec le vautour là-bas qui arrive et tout... C'est comment? Ouais. Dis-le. C'est magnifique, hein. Ah. Ben, je te laissais presque magnifique. Peut-être tout à l'heure, ça sera encore plus magnifique. Ouais, c'est vrai. Faut pas abuser du mot magnifique. Sinon, il perd de sa valeur. Un peu le vertige là. Ah là, ça commence. Hein. Face plate là, tu vois. Il fait ta maison là, tu vois. Ah bah là c'est vraiment magnifique quoi. Ah ouais. Et on a atteint le niveau supérieur quoi. Top. Ouais. Parce qu'au début c'était comme ça, mais là maintenant c'est comme ça quoi. Ah, on voit les deux. J'ai vu cette vue de roche dolomitique. Panoramique ici, là, et là, c'est magnifique. Tout ça, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. Alors là, tu dis que c'est... Magnifique. T'es sûr? Oui. Bon, je vais regarder, jeter un coup d'œil. Ah bah, là, on atteint le summum, quoi, c'est... Plus que magnifique, c'est sublime. Et comme je n'ai plus de batterie, j'en profite pour vous dire à la prochaine.
C'est sympa, hein. C'est toujours sympa, hein, quand ça monte comme ça. Hein. Ouais. Ça donne du sourire. Ouais, bonne montée. Ça nous met en accord avec le présent. Ça monte comme ça, tu vois. Hein, c'est magnifique. C'est le bonheur. Il est comme ça, Salva. Il nous réserve des petites surprises.